Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons traiter un sujet qui s'intitule le module des entremets. Alors, appellation entremets, comme son nom l'indique, elle est composée de deux mots, entre et mets. Mets, c'est un plat, et entre, c'est entre les plats. Dans la table française, et surtout dans les bourgeois, à partir de l'époque 12e, 13e siècle, eh ben, la classe bourgeoise mangeait énormément de plats et de mets. Des fois, ça pourrait aller jusqu'à 30 plats, 30 mets à la fois. On servait un petit entremets, c'est-à-dire une petite préparation qui permettait justement aux convives d'apprécier le plat qui va venir par la suite. À partir du 20e siècle, l'appellation entremets aujourd'hui désigne particulièrement les préparations sucrées. Alors les préparations sucrées, ça peut être soit des entremets classiques, soit des entremets glacés. Alors, pour vous, en tant que pâtissier, ce qu'il va falloir comprendre, pour maîtriser déjà les entremets, il va falloir maîtriser 4 à 5 préparations essentielles. C'est la base de la réalisation des entremets. Donc, première préparation, c'est l'appareil à bombe. L'appareil à bombe, elle se fait avec les jaunes d'œufs. Donc, on va clarifier, on va séparer les blancs des jaunes, et les jaunes, on va les monter, on va les blanchir, et à l'aide d'un sirop de sucre cuit à 121 degrés Celsius, on va le verser tout en fouettant sur les jaunes d'œufs pour obtenir un appareil qu'on appelle appareil à bombe. Deuxième préparation très importante. Une fois qu'on a clarifié les jaunes d'œufs, on peut faire l'appareil à bombe avec les jaunes. On peut également réaliser ce qu'on appelle une meringue italienne. La meringue italienne se prépare, se fait par les blancs d'œufs, un sirop également cuit à 121 degrés Celsius qu'on va verser progressivement sur les blancs pour obtenir une meringue italienne. Troisième préparation, très importante aussi pour la confection, la réalisation des entremets, c'est la crème anglaise, qui est à base de jaunes d'œufs, sucre, le lait, porte à ébullition, qu'on va vanner, qu'on va travailler à 80-85 degrés Celsius pour avoir une préparation qui est la crème anglaise, qui joue un rôle très très important pour la réalisation de certains entremets. Pour les entremets, que ce soit l'appareil à bombe, la meringue italienne, la crème anglaise, il faut toujours associer à une crème qui sera fouettée pour donner la finesse et surtout le volume à votre préparation. Alors les entremets, il y a deux sortes, deux familles d'entremets. Il y a les entremets classiques à base de crème au beurre, de crème pâtissière et de crème chantilly ou un mélange de crème au beurre, crème pâtissière. Il y a également les entremets modernes aujourd'hui qui sont réalisés à partir de l'appareil à bombe. C'est ce qu'on appelle les parfaits. Ou à partir de meringue italienne, c'est généralement les mousses. Ou à partir de crème anglaise, c'est la crème bavaroise. Alors par la suite, il va falloir maîtriser les biscuits qui seront donc qui vont faire la différence entre chaque entremets. Soit utiliser un biscuit léger comme le biscuit de Savoie, soit utiliser un biscuit craquant ou croquant comme le succès, comme le biscuit d'Acquoise. Et ça va dépendre aussi de l'élément de base. La noix de coco, les amandes en poudre, les noisettes ou un mélange de tout. Alors toute cette réflexion va vous pousser, vous en tant que pâtissier, de faire des associations, des fois éloignées, mais par la suite, on va retrouver un entremets qui va faire plaisir à une clientèle et à notre consommateur. Dans le même entremets, des fois, on peut trouver deux ou trois sortes, c'est-à-dire un peu de parfait, un peu de mousse et un peu de crémeux ou un peu de crème bavaroise. La question qui se pose, quand est-ce qu'on va choisir l'une de ces trois? C'est-à-dire opter pour l'appareil à bombe ou opter pour la meringue italienne ou opter pour la crème bavaroise. Et bien tout simplement, l'appareil à bombe se marie très très bien avec les produits gélifiants. C'est-à-dire qui ont la capacité, la possibilité d'être solides quand on va mélanger la crème fouettée. Généralement, les chocolats. Et bien le chocolat, ça se marie très très bien avec l'appareil à bombe et en mélangeant avec la crème fouettée parce que le chocolat a la capacité d'être solide, de jouer le rôle de gélifiant et automatiquement on n'a pas besoin de rajouter de la gélatine dans la préparation qui sent les parfaits. On peut faire donc des parfaits à base de chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. La meringue italienne, généralement, elle s'associe très très bien avec les agrumes et surtout les purées de fruits. Parce que mélangée à la meringue italienne, et bien dans la meringue, les parfums seront diffusés
Par exemple, du cassis, framboise, citron, orange, pamplemousse, qui sont bien imprégnés dans la meringue italienne, qui seront par la suite mélangés à la crème fouettée. Généralement, on est obligé de rajouter dans la purée ou dans le jus des agrumes ou des fruits quelques feuilles de gélatine pour mieux que notre mousse prenne après le froid. Alors la crème anglaise, obligatoirement, on doit rajouter des feuilles de gélatine, généralement 14 feuilles de gélatine par litre de crème. On utilise même quantité de crème que de crème anglaise, c'est-à-dire un litre de crème anglaise, 14 feuilles de gélatine pour un litre de crème fouettée. Alors généralement, la crème anglaise s'associe très très bien, surtout avec les pâtes, par exemple, pâte à pistache, pâte à noisette, pâte d'amande, et des infusions également de vanille et d'autres parfums comme le café, le trablis, etc. J'espère que cette petite introduction concernant le cours et le module des entremets va vous être utile, sachant que c'est la pratique, et quand vous allez voir les modules pratiques, c'est là que vous allez comprendre mieux. Au revoir et à la prochaine émission.